Salut à toutes et à tous pour le tout premier Let's Play Sonic, Sonic Adventure DX, Galactic Cartoon, comme ça la version PC du jeu, un jeu qui est sorti en 2003, donc un ancien jeu pour moi. Donc nous contrôlons Sonic, c'est la première aventure Sonic en 3D qui est mal faite. oui, donc j'ai un peu testé pour voir si ça se passait bien. Donc, je vais juste par contre. Très bien. Donc, on est parti pour cette aventure Sonic. Cette aventure Sonic, c'est spéciale puisque bah, c'est dirigé avec plusieurs personnages. Donc, on commence les Sonic. Ça y est, enfin. J'avais tellement hâte de le commencer. On est parti en tout cas pour l'aventure. Et vous voyez, il y a plusieurs personnages. Donc, il y a Tails, Knuckles, Amy, Big the Cat et eux c'est dans E102 Gamma, je crois que lui c'est Gamma il me semble, hein. Parce que c'est pas encore Omega, Omega il arrivera plus tard. Donc voilà, on y est enfin. J'avais envie de commencer un Sonic mais je voulais pas vous faire un Sonic 2D, donc je me suis dit on va peut-être commencer par le 3D pour les mettre directement dans l'ambiance. Et je vais prendre du coup le premier 3D que j'ai bien aimé, parce que Sonic 3D, Sonic CD qui sur Master System n'a pas été ouf, je l'ai pas trouvé ouf. Du coup on est parti sur Adventure DX. Et j'ai tellement hâte, sachant que le jeu est très mal fait, c'est-à-dire que c'est un des premiers Sonic, donc on est en 2003, donc la qualité de développement est pas ouf. Mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de rage et aussi beaucoup de fun. C'est parti, en avant, let's go. Je vais vous laisser les cinématiques où je ne parlerai pas, parce que je suis un mec poli. Retreat! All personnel! Fall back!
Tu vois vraiment qu'on est au début de la 3D. Hein. Bon, alors, si vous avez joué, ou si vous avez entendu un si vous avez vu un peu les images de Sonic Force, vous reconnaissez probablement cette personne. Donc en fait, dans Sonic Force, ils ont utilisé à chaque fois tous les ennemis de Sonic. C'est là qu'il est. Ouais, d'ailleurs. Wow, calme-toi, Jackson. Hop là. Bon, il est là, évidemment, il faut le toucher trois fois. Ce que j'aime bien, c'est. Alors, on en parlera quand on fera des niveaux, évidemment. Hein, mais genre, c'est les animations de la 3D qui. Tu vois que t'es au début de la 3D. T'es pas dans un Super Mario World ou un Super Mario Odyssey où t'es dans un truc de fou, tu vois. Tu vois que t'es au début de la 3D. Et moi, ça me fait rire. Parce que juste les expressions du visage de Sonic, ça me fait vraiment marrer. Putain, 43 secondes pour le premier niveau. En même temps, c'est un boss. J'ai vraiment envie de jouer, vraiment là. J'ai vraiment envie de faire un max de trucs. Come on, you big drip. Where you going? Il a pas trop changé quand même Sonic en 15 ans. Hein. You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction. Toujours intéressant de le savoir. La main qui est collée dans tout. Oh là là. C'est génial. Vraiment, tu nous lâches là? Oh là là. Sauvé tel. Alors, je crois que c'est un espèce d'open world un peu stylé. Alors, il faut savoir qu'avant de jouer au jeu comme ça, j'avais joué un peu à la démo. Donc, ce niveau-là étant dans la démo, je vais probablement pouvoir vous parler. Donc le pitch, l'histoire, elle est pas ouf. C'est quand même, moi j'aime bien les histoires un peu soumises parce que c'est quand même toujours stylé. Par contre, à chaque fois, il me propose de ramasser des animaux. Donc, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pour faire un clin d'œil au premier film, évidemment, mais pas pourquoi est-ce qu'il y a quand même si c'est un inutilité ou quoi. Ah voilà, les premiers défauts de ce jeu, la caméra. Jean-Michel Cadrage. Alors, mais ça, c'est horrible. Et ensuite, tu peux mourir sur tout un bug de développement. C'est horrible. C'est vraiment l'horreur ce niveau. Mais ouais, en tout cas, alors déjà, la course c'est pas hyper contrôlable, mais sinon ça va, ça gère un peu. Mais ouais, gros jeu en développement. Et alors si vous ne connaissez pas l'histoire de Sonic, je vous la pique rapidement. Sonic, hérisson bleu, sous dopant, cherche les émeraudes, et aidé par un renard avec eux, avec un avion, rencontrer déjà un peu techniquier qui s'appelle Knuckles, qui sera aussi joué évidemment. Il a des amis de partout, hein, ce qu'on appelle les Shitty Friends, parce qu'il lui faut plus d'argent. Évidemment, il se bat contre le Dr. Eggman, parce que c'est lui qui veut le Dr. Eggman pour lui prendre le mot. Voilà, ça c'est un pitch normal. Ça c'est un pitch de Sonic. Voilà. Donc pour en revenir un peu à la chronologie un peu de ces Sonic là, on est vraiment au début, c'est-à-dire qu'on vient de sortir des Sonic 2D, les Sonic, moi je pense à Sonic 1, 2 et 3. Donc Sonic and Tails, then Sonic and Knuckles. Donc voilà, on vient de sortir de ces Sonic là. Et on s'est dit putain, il y a une Master System qui est sortie, il va falloir faire du pognon, on va se faire du coup un nouveau jeu. Ah non, ah, c'est un support CD, super, on va pouvoir donc faire des jeux en 3D. Sauf qu'on est au début de l'ère de la 3D, hein, donc c'est de la 3D un peu. Oui. Bon, en vrai, moi ça me dérange pas, je préfère clairement les jeux en 2D que les jeux en 3D. Oh, je t'ai pas passé par là. Je préfère clairement les jeux en 2D que les jeux en 3D. J'avoue qu'il y a certains jeux en 3D, ça me tombe vraiment. Et je voulais vraiment vous faire un Sonic et je voulais pas commencer par un Sonic 1 pour ensuite vous faire le Sonic 2 pour vous faire Sonic 3. Je préfère vous faire directement les Sonic Adventure qui sont, je pense, un peu plus intéressants plutôt que faire ta mère. Des Sonic. Voilà, vous voyez, j'ai rien touché, le truc qui part à gauche. Enfoiré! Rends-moi mes rings!
Oh là 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 là, la pauvreté nous bête. Hop. Voilà, je voulais pas que vous commenciez directement par ça, donc je vais commencer. On va commencer par. Voilà. Tout est résumé. Donc si vous m'entendez rager. C'est pas de ma faute, vraiment. Si vous m'entendez rager, c'est vraiment pas de ma faute. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est dans la démo. 1, 2, 3, 5. Bon, par contre, ils ont gardé l'espèce de saut avec le saut automatique, donc ça c'est pas mal. Enfin, gardé, c'est-à-dire, ils l'avaient dit. Enfin, c'est un truc qu'ils avaient déjà dans le. Mais. Ah, ça bug! Ah là! Ah bah, c'est l'un des inconvénients des premiers Sonic hein, en jeu, c'est que ça bug tout le temps. Mais c'est marrant! À jouer, c'est vraiment marrant. Bon, faut savoir que la première fois que j'ai fait la démo, je n'arrêtais pas de mourir. Donc là, ça, j'ai pris un peu en bas le jeu. Mais c'est compliqué. Ouais. Hey Sonic, long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. Il y a vraiment un enfant qui joue à Fortnite. Pourquoi pas juste utiliser mon plan, le tornado? Oui, bien sûr. Donc les Chaos Emeralds, c'est un truc extrêmement puissant. Hein. C'est un peu comme si c'était du plutonium. Ok, à partir de maintenant, on peut jouer Tails, c'est très bien. Je pense que d'ailleurs je vous ferai un épisode en alternance, c'est-à-dire qu'un coup je jouerai Sonic, un coup je jouerai Tails. Caméra 2 Jean-Michel Cadrage. Ok, je peux bouger avec Aizel, très bien. Donc je vous ferai un épisode en alternance, je pense un épisode avec Sonic, un épisode avec Tails. Par contre, il est parti par où l'autre? Je suis enfermé là. Ah non, c'est bon par là. C'est trop bien. C'est vraiment une espèce d'open world stylé. Enfin, open world, faut pas déconner non plus. Mmh. Je pense que je peux pas le faire, mais peut-être Tails à mon avis peut le faire. Là on revient dehors dans la piscine ou on est dans la rue? On est dans la rue. Très bien. Hop 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 hop, c'est quoi ça? Bonjour. Ok, donc ça c'est un espèce de poste d'information. Waouh, on est vraiment dans la ville. Alors j'ai lu quelques... j'ai regardé quelques trucs sur ce jeu. Et en fait ils sont vraiment allés se balader genre dans des villes et tout pour trouver la personne dans le nouveau jeu. Il y a un niveau dans les égouts. Alors sachez que le niveau dans les égouts, c'est le pire niveau dans les jeux vidéo de la terre, de tout ce que le jeu vidéo a pu créer. Les jeux vidéo dans le train de la mine, les égouts, ce sont les pires niveaux de la planète. Ah, voilà, c'est un beau comme ça. Caméra 2. Ok. Donc le train va partir, ça tombe bien, je vais partir avec mon train. Oh, il y a une télé. Je peux m'en servir. Finalement, le casino est seulement ouvert la nuit. Ah, ok. Donc il y a un casino, peut-être qu'il y aura un moment où on pourra y aller la nuit. Le train. Laisse-moi prendre le train. Et pourquoi on prend le train d'ailleurs? Enfin, tu es quand même le hérisson le plus rapide de la Terre. Pourquoi est-ce que tu veux prendre le train? Enfin, pas de manquement. Wow! Bonjour. Merde, je peux pas leur parler? Parce qu'en fait, c'est le même bouton pour dash. Toi, tu peux te parler? Ton équipe de français qui cherche ta ruine ne travaille pas depuis longtemps. On me laisse rien faire, d'accord. Peut-être parce que t'es un sac à merde. Alors. C'est par là. Ah, ça doit être là-bas, son laboratoire. Non, parce qu'en général, ton laboratoire, il est à centrale. Enfin, il est à centrale, tu vois.
Oh, ça sent le Eggman. Whatever you say, Eggman. Enough! I've got big plans. And now, I'm gonna put them to work. You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the Chaos Emeralds. Better not interfere, or else! Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by force. The hard way. Tiens, c'est ça que je trouve marrant aussi, c'est que genre le méchant vient et te dit ah ah, je vais conquérir le monde grâce à ça. Donc surtout évite de le détruire. Faites-moi con. Putain, le mec il a une extension et tout, genre c'est un DLC son truc. Ah, c'est un fight. Ouais ouais. Egg Hornet. Alors par contre moi je veux bien le frapper hein, Ah d'accord. Ah, je dois renvoyer un peu de la con là. Que peut-il faire, Jackson? Ah maintenant. Bon, rect. Oh là, on s'est fait rect. Non, regardez-moi mon argent. La caméra est top. Ah, la caméra. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas jouer, qu'on puisse pas contrôler la caméra avec la souris. Il fallait qu'on contrôle. Ah non, attends, c'est prendre une USB un peu comme de Overwatch. Je contrôle la caméra avec la souris, pas le faire. En même temps, c'était pas hyper développé à l'époque, donc on va pas chier dessus. Comme hier, my little shit. Ah là, là, c'est vraiment impressionnant de pouvoir dash comme ça, c'est hyper bien. N'hésite pas à revenir un coup. Hop, t'es mort, j'ai gagné. Intéressant comme jeu, on en fera plus tard. Allez, à demain. Toujours ce même vaisseau en plus dégueulasse. Mais c'est marrant, c'est armé nos origines. Bon, un boss un peu plus long que Chaos, mais ouais, au moins un boss terminé. Il va falloir remettre de l'essence. Hein. Si tu veux, tu sais, j'utilise le plutonium comme essence, c'est pas mal. Peut-être. Mais pourquoi tu la montres? Et t'as voyagé. Alors attends. T'as voyagé dans le train avec la Chaos Emerald fourrée dans ton cul. Pourquoi est-ce que tu la sors maintenant? Genre, ah, ça fait mal, ah, ça picote, on va la sortir. Quoi? Il est temps de manger. Venez de Chaos. Donc ce serait un Chaos en partie. C'est bizarre. Yes, une émeraude de plus pour le monsieur. Oh, il commence à avoir les articulations. Oh, il commence à devenir un peu plus puissant surtout. Il sera avantable. À un moment, quand nous on a les 7, on deviendra le Super Sonic. Ah, tu le construiras sur la lune, frère, hein, parce que là il n'y a pas la princesse. Pourquoi pas de putain? Flashbang! Bah, c'est trop tard, il vient de partir. Mais pourquoi tu l'as sorti de ton cul en même temps, toi, t'es con? Bien, ouais, t'es un génie. Putain, pourquoi il fallait qu'il sorte forcément les démons de son cul, l'autre? Il pouvait pas la garder. Bon, alors, bon, c'est ce que j'aime bien, c'est que genre, peut-être t'as pas un espèce de truc un peu comme dans tous les jeux vidéo où genre, le méchant arrive et oh non, il est parti avec la puissance, oh non, et t'as un noir et tout, et genre, tu reviens deux semaines plus loin. Non, là, genre, on te reprend directement maintenant, genre. Ah, bon bah il est parti. Alors, tu voulais monter quoi avec ton laboratoire? C'est genre, tu perds pas le but premier, genre, tu sais, le monde va être détruit, mais non, tu poursuis pas, tu fais, ah, bon, alors, le laboratoire, c'est où, c'est là? Ok, donc je suppose qu'il faut que j'aille à Station Square.
Station Square. Il va falloir que j'aille là-bas. C'est bizarre. Oui! Moi j'adore me suicider. Non, on me dit clairement qu'il faut que je reprenne le truc. Ok. Ok, ok. Bon, on va pas s'arrêter maintenant, ça serait un peu con. Alors. Bah attends, bah, on va demander à la lumière rouge, prophète. Guide-moi là. On trouve souvent des choses, en fait, d'accord, il faut que j'y retourne. Bah ouais, mais j'y suis allé, il n'y avait rien d'intéressant. Alors. Bah, du coup, il n'y a rien d'intéressant au niveau du Twin The Tales, peut-être là-bas. C'est quoi cette espèce de cabanon là? C'est le cadrage. On va parler à Jackson. Viens là. Viens là, Jason. Bon, on peut pas lui parler très bien. Ok. Oh putain, ça sent le train de la mine à côté. Je veux vraiment pas y aller. Je suis pas. Ah non. J'ai cru que je m'étais coincé. Oh non, ça allait vraiment pas le faire. Puis c'est quoi le but de Robotnik, s'il te plaît? Je vais créer pas d'attraction. Il y aura mon nom, il y aura moins spectre du coup. Ouais. Je pense que je peux y aller avec Tails. Il y a un pont géant. Intéressant. Mais c'est le pont pour le train. Donc il faudrait que je continue ici. Et que j'arrive dans ce laboratoire. Mais dans le laboratoire, il n'y avait rien. Oh, peut-être pas la bonne porte. Y'a rien d'intéressant dans le laboratoire, on a beau monter de partout et on se casse et tout. Ok, là c'est pour sortir l'avion, ouais d'accord. Hop. Hop. Faut peut-être continuer hein. C'est ça, faut continuer. Ah bah il est là, Tails. Ah non, c'est pas Tails. C'est pas Tails, je trouvais cette pierre bizarre sur la colline. Je l'allais la passer pour parler d'abord au chef. Très bien, très bien, très bien. On regarde cette pierre bizarre pour le moment. Parce qu'en général, quand c'est nous qui avons les émeraudes, l'ennemi le sait aussi, tu vois. Genre, garde-le. Bon, si t'as une émeraude, garde-la, comme ça personne ne saura que tu l'as, et puis voilà. Ça, c'est en train de la mine. C'est mort, je touche pas à ça. Allons par ici. Oh là là. La caméra est aux fraises. Faut que je fasse quoi, là? Ah, faut peut-être que je l'ai sur A. Ah, c'est bizarre. Bah, je sais pas. Ah, peut-être entrer. Ah, j'ai une map. Waterfall, truck, escape, tel workshop. Waterfall, truck. Non, il faut clairement que je retourne là-bas. Alors. Oui. Peut-être que je parle à Tails, non? Parce que c'est quand même fait voler une émeraude qui lui servait de plutonium. Hein. Non, parce que à la base, Tails, c'est quand même le mec qui s'est dit, putain, j'ai une idée les mecs, je vais me servir d'un truc extrêmement dangereux qui peut terrasser le monde. Je vais m'en servir comme carburant. Ouais, je sais. Eh ouais, couillu le mec. Hein. Après, est-ce que le reste se développe pas avec Winston Green, clé à motif doit contenir un message. Ah, mais tu te choisis quoi avec la clé, frère? Tu m'en balais un peu de. Il faut que j'ouvre le tornado, c'est ça? Je sais pas. Ah, attends, parce que là, je vois vraiment rien. Pour moi, il y a une espèce d'entrée là-haut. Hein.
Allez, attends. On va se mettre en vue de Sony. Alors, pas du tout. Oh, là. Oh les bugs. Non, parce que je ne vois absolument pas quoi faire, en fait. Parce que, genre, là, tu rentres, et le Tales Workshop, il est tout pété, hein. Il y a plus de trucs à faire avec. Ah. Non, il n'y a rien du tout à faire. Ah, mais non, c'est pas A que j'ai fait, c'est... Il y a rien à faire là. Je cherche la sortie. Putain, là, c'est plus Sonic se balade et cherche une sortie que Sonic fait quelque chose. Hein. Donc pas les waterfalls, on y est déjà allé, y a rien du tout. Peut-être bah. Ah non, là c'est fermé aussi. Hein. Caméra 2. Allez, bah on va penser que c'est par là, hein. Allez, on va dire que c'est par là. Tu mens pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Jackson? Dis-moi. Je suis perdu, Jason. Je devrais explorer cette montagne, je sais même pas par où commencer. Bon, je suis perdu. Dis-moi. Donne-moi la réponse. C'est Dex, devrait être quelque part par ici. Mais oui, mais... Mais j'y suis allé 20 fois, l'atelier de Tails, il est pas là. Il est parti bouffer une gaufre, il m'a pas prévenu. Il s'est barré tout seul. Je veux bien y aller moi à l'atelier de Tails, hein. Moi ça me dérange pas, hein. On y va quand vous voulez. Hein. Mais Ah, pour moi il se faisait vraiment les mecs. Hein. Il y a un truc, il y a un escalier, il y a une merde. Il y a un truc à faire là. Mais quoi? Mais il faut faire quoi? Mais... Je suis perdu! Le jeu ne fait aucune indication. Il faut que je switch sur Tails. Hein. Tails. Ça serait bizarre. Non, parce qu'on a fait le tour du. Bizarre comme montagne. On a fait le tour du workshop. Hein. Il n'y a aucune entrée. L'entrée pour le tornado, non, il n'y a aucune entrée. Oh là là, il fait. Oh putain, il fait du moonwalk. Ah, quand je vous dis que c'est les débuts de la 3D, c'est vraiment les débuts. Hein. Bon, allez, casse-toi, on va remonter l'escalier, on est tombé. Ah! Allez! Arrête d'aller tout loin, putain! Non! Où est-ce qu'il faut que j'aille? Bon, tout à l'heure on a vu qu'il y avait un chariot, donc j'aime pas être un de la mine, je l'ai déjà dit, mais quand t'es perdu et que tu dis que tu peux plus avancer, autant prendre les... Oh putain de... Je pense que j'ai fait une erreur en venant ici. Ah mais c'est pas le Jardin du Chaos là? Le Chao, pardon. Pas les Chaos, les Chao. Moi je l'appelle les Chao. Ah si c'est ça. Ah je m'en souviens de ça. C'est un œuf de chaos! Name machine. Name. Sélection impossible. Amène un chaos. Donc je peux pas renommer le chaos. Tu peux le faire avec l'or là? Allez, là c'est une couveuse là. Où es-tu? Chaos! Non! Reviens là mon chaos! Donc c'est à ça qu'ils servent en fait. C'est à faire popper les chaos. Je t'ai vu! T'es là! Mettre. Bon, À quoi sert cet endroit? Bon, moi je parle de principe qui ne me sert à rien pour le moment. Donc, je pense qu'il faut que le chaos soit clos. On va chercher Robert. Hop là. Attends, là où il y a un truc. Hein. Là il y a un mec. Hein. Mais là il y a un macaque là. Pour moi il y a forcément un lien avec ça.
Comment? Il faut faire du vaudou. Je pensais qu'il faut faire du vaudou, genre. Ça doit être ça, faut faire du vaudou. Bon, les amis, je pense très clairement que pour le moment on peut plus avancer avec Sonic. Je pense que ça doit être un truc dans ce goût-là. C'est une perte de temps pour le moment, on peut plus rien faire. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne à ce moment-là avec les Sonic Tales. Et ensuite on pourra avancer, je pense. Parce qu'on n'a pas de fin mot d'histoire, je pense que Tails va nous expliquer pourquoi il s'est sorti la Chaos Emerald du cul. Parce que on a vu la Buffan. Alors là, il y a un truc de bateau là. Tu as du bateau? Non. On ne peut pas faire le bateau. La déception est totale. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette première vidéo, en tout cas, vous aura plu sur ce jeu. On va s'arrêter. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous sommes partis pour un aspect qui va être, ma foi, affreusement horrible. Mais ça risque d'être marrant. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un like, commentaire pour que je vous vois dans une prochaine vidéo. C'est ensuite. Allez, bye.